Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action. Oui, je vous l'ai dit, de toute façon, on a un action chez nous maintenant, donc j'en profite et j'y vais de temps en temps. Donc là, ce haul, je vous préviens de suite, si ça ne vous intéresse pas, squeezez de suite. C'est un haul spécial action, mais action que décoration de Noël. Il y a un poil de scrap, mais surtout de la déco de Noël. Voilà. Donc en premier, et c'est pas des moindres, j'ai craqué, mais vraiment craqué, craqué, craqué. Et alors que l'année dernière, je le trouvais hideux, et cette année, il n'est pas tout à fait pareil, donc j'ai vraiment craqué pour lui cette année. C'est lui, mon Père Noël à 20 euros, voilà, 19,90 €. Voilà, ce qui m'a fait craquer, c'est son contour marron, et je le trouve vraiment trop trop beau. Allez, je vous montre. Voilà. Voilà, il coûte que 19 euros et j'ai craqué. Oui, mon mari, ce soir, là, quand il va rentrer, qu'il a découvert ça, il va se dire, j'ai pété un câble. Voilà, je suis trop contente, j'ai vraiment craqué dessus, je le trouve trop, trop mimi. Voilà, je le trouve plus joli que celui qu'il y avait l'année dernière. Et celui de l'année dernière, le basique, il y était encore. Mais moi, c'est vrai que j'ai craqué sur celui-là. Et ce qui était marrant, c'est quand j'y suis allée avec ma maman, et elle a craqué sur le même que moi. C'est un petit peu folklore. Après j'ai acheté des chaînes lumineuses, bon je sais pas trop comment dire, qui est avec des piles en dessous, donc il y a 10 boules et je trouvais ça sympa et je kiffe la couleur argent, c'est pour Noël cette année, c'est vraiment argent et flocons de neige. Donc voilà, j'ai pris cela, donc on fait le sapin très bientôt avec mon neveu et ma nièce, mes neveux et nièces, donc c'est cool, comme les dernières années avec mon Kenny, mais cette année ma petite Elisa d'amour en plus. Après j'ai pris ces autres guirlandes électriques. Toujours argent, elle valait 2 euros et des brouettes chacune. Hein. Voilà, à pile. Donc c'est encore une brouette. C'est encore une guirlande de 10, argent et blanche. Voilà, je la trouve trop trop mimi. Après, j'ai craqué pour celle-ci. Ouais, trop trop belle comme guirlande. Alors il y en a 10 à LED et il y a des plumes à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, voilà, elles sont trop belles, trop 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 belles. C'est un gros coup de cœur, donc elles vont totalement dans les couleurs que je voulais et dans le style. Ça, je crois que ça s'est payé 3. Coup de cœur pour ces flocons de mer de Noël argent. Il valait, je crois, 59 centimes. Voilà, j'en ai pris 3 pour mettre sur mon sapin. Après, j'ai pris surtout des décos qui ne se cassent pas, vu que mes neveux et nièces sont pas bien grands. Et j'ai pas envie qu'ils cassent mes décos. Donc demain, quand ils vont faire le sapin, bah, c'est le genre de déco qui va totalement bien pour eux et pour faire un sapin au top et joli. Après, gros coup de cœur pour ce sapin lumineux avec des LED. Donc, c'est en plastique, hein, il valait 3 euros, 2,90 €. Il va aller sur ma cheminée. Voilà, il est trop mimi. Il est tout simple, mais j'ai craqué dessus. Je me suis dit que ça ira très bien pour la déco. Je vous ai dit mon amour pour la couleur argent et flocons de neige. Donc, j'en ai acheté 6. Ils sont en une espèce de polystyrène. Voilà quoi, c'est le genre de déco qui craint rien. Les gamins, ils peuvent les utiliser, les faire tomber. Ça se plie, je veux dire, voilà, ça craint rien. Donc, c'est top pour demain, pour le sapin, toujours. Après, j'ai pris de la poudre. Oui, c'est de la neige, quoi, voilà, de Noël. Enfin, je crois qu'elle n'avait même pas 1 euro des boîtes. Franchement, c'était vraiment pas cher. Hein. Là, tout ce que je vous montre, en sachant qu'il y a un autre Père Noël que ma maman a récupéré, j'en ai eu pour à peine 100 euros, quoi. Même pas, 90, il me semble. Mais bon, voilà, il y a pas mal de déco et il y a du scrap un petit peu. Après, énorme coup de cœur toujours pour ces LED. Donc là, ce sont des LED avec des flocons de neige à 2,49 €. Donc toujours, il faut des piles. Et là, cette fois... Oui, c'est deux. Non, je croyais que j'avais pris sapin. Non, en fait, c'est deux boîtes de LED avec flocons de neige, tous les deux, d'1,35 m. Je pense que je vais en mettre une sur la cheminée et une dans le sapin. Voilà, c'est mon gros kiff. Pas chercher, j'achète jamais de guirlandes lumineuses. Pourtant... on va dire oui, une youtubeuse qui fait Instagram et qui n'achète pas de guirlandes électriques, je ne comprends pas. Ben oui, je n'achète jamais, c'est juste pour Noël, surtout j'en achète. Et là, ben, au final, gros craquage. Ouais. Après, je me suis acheté, je crois qu'elle valait même pas 2 euros, ce cône, parce que malheureusement, j'en avais un magnifique Mickey et l'année dernière, mon sapin est tombé. Et donc, il s'est cassé, donc je suis dégoûtée. Donc voilà, là au moins, j'ai mon autre sapin. Mon lui doit aussi se casser, mais voilà, c'est rien quoi. Pour 2 euros par rapport à mon magnifique Mickey qui valait bien plus que ça. Mais bon, malheureusement, il s'est cassé. Le sapin est tombé. Après, j'ai acheté des piles indispensables. Parce que sinon, je ne pourrais pas allumer mes guirlandes électriques. On a pris des bâtonnets, on a des maisons. Après, des gouttes d'eau. Simple, tout mignonne, voilà. J'ai pris
ses feuilles, ils ont des gling-gling. Ouais, je trouve mignon pour les petits, c'est pas un truc qui se casse et c'est facile. Je les ai payés 49 centimes. J'ai deux paquets. Voilà, et j'en ai pris deux paquets avec deux couleurs différentes. Après, on arrive un petit peu au scrap. Oui, j'ai quand même acheté un petit peu de scrap. Donc, je me suis racheté celui-là que j'avais acheté la dernière fois, que je trouve trop beau. Là, les couleurs, elles sont top. Et je me suis racheté celui-là aussi. Donc, au cas où je vous les remonte, vite fait. Donc, toujours à 2 €. Hein, ils sont vraiment pas chers. Donc là, c'est un espèce de nude qui passe partout. C'est top. Et là, c'est ceux-là, des couleurs que je trouve mais juste exceptionnelles. Parce qu'on a toujours besoin de couleurs et qui sont... voilà, assez simple, il n'y a pas trop de détails dessus, donc c'est parfait. Après, des stickers chats. Donc ça, c'est maman. Voilà, elle avait envie de stickers chats, pas chercher. Craquage pour ses clés, 59 centimes. Voilà, elles sont super mignonnes. Après, craquage pour ce sapin avec le Père Noël. Et en plus, il y a la dies en haut pour Happy New Year. Trop belle. Craquage là-dessus aussi. La gourmande que je suis, mon mari qui est gourmand aussi, on va se régaler ce soir. On n'est plus qu'un chacun, au moins comme ça, on limite les dégâts. Après, pour les neveux et nièces, gros coup de cœur pour ces... voilà. On a pris les 4 qu'il y avait. Voilà. Donc, ce sont des 3D, images 3D à découper. Voilà, mon petit neveu Kenny adore découper ce temps-ci, donc on a pris pour lui et Elysia. Je peux pas vous montrer, je vous montre juste l'arrière. Je les ouvre sinon. Donc il va aller 2,42 € l'un. Mais c'est pas grave, c'est tellement joli. Voilà. Ah, mais en plus, c'est encore mieux. C'est déjà prédécoupé en fait, donc c'est bien ce que je pensais. Donc pour eux, ça va être facile à faire, ça va être sympa. Ça donne une activité à faire quand ils sont à la maison, parce que des fois, on les a, du moins, pas chez moi, chez ma mère, au coin scrap et que ben il faut bien les occuper un petit peu. Parce que des fois, ben. Voilà quoi, ils sont là avec nous, ils aiment bien monter au coin scrap quand on fait du scrap. Et vu que moi je vais me lancer dans un mini très bientôt et que mon Kenny aime beaucoup être resté à Tati, ben voilà, ça l'occupera. Donc oui, là je vous ai ouvert celui de la Reine des Neiges. Voilà, en fait ils sont déjà prédécoupés et après il n'y a plus qu'à coller. Donc mon Kenny qui kiffe ça, elle va adorer. Et ma petite Elysia, elle va aimer faire ça, je pense. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a à l'arrière qu'on retrouve à l'intérieur. Je ne vais pas ouvrir les autres, je vais juste vous montrer comme ça. Donc là, on a pris le Mickey. Et c'est pareil, c'est tout ce qu'il y a à l'arrière qu'on retrouve à l'intérieur. Vraiment, c'est super mignon. Après, moi, celui-là, c'était mon coup de cœur à moi. Donc là, c'est le mini. Et c'est pareil, tout ce qu'il y a là, on le retrouve à l'intérieur. Et après, ben, vous savez, mon amour pour bourriquet. Donc je l'ai pris. Je ne suis pas du tout Winnie l'ourson, mais je suis bourriquet. Donc je regardais derrière, il n'y a pas beaucoup de bourriquet. Mais bon, voilà, il sera quand même utile et je serai quand même contente de le faire. Et là, je pense que je vais les utiliser plutôt pour un de mes mini. J'ai acheté 2-3 trucs à Stokomanie. Donc ces 3 flocons de neige argent à 1 €. Après, j'ai acheté 3 guirlandes argent à 2 €. 1,99 € l'une. Voilà, Sokomani, on l'a à côté de la maison, j'y vais de temps en temps. C'est quand même rare, mais j'y vais de temps en temps. Et j'ai surtout craqué pour mon mari pour Noël. C'est son pull moche pour Noël. Voilà, je l'ai payé 19 €. Season Greeting, je ne sais pas du tout si c'est une marque qui est connue ou pas du tout. Mais en tout cas, voilà, gros craquage, un pull moche pour Noël pour mon mari. Et en plus, regardez, il s'allume, il est trop beau. Voilà. J'ai craqué dessus. On aime bien porter des pulls moches pour Noël ou des tenues totalement kitsch. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière de mes robes de Noël qui étaient totalement kitsch. Voilà. Donc, le haul est terminé. Je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que ce petit haul rapide et simple vous aura plu. C'est basé vraiment, vraiment Noël, décoration de sapin, décoration de Noël. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!